Chapitre 4. Glimmingeus, les rats noirs et les rats gris. Dans le sud-est de la Scanie, non loin de la mer, s'élève un vieux château, appelé Glimmingeus. Il se compose d'un seul corps de bâtiment en pierre, haut, grand et solide. On le voit à plusieurs milles dans la plaine. Il n'a pas plus de 4 étages, mais il est si énorme qu'une maison ordinaire, bâtie dans la cour, a l'air d'une maison de poupée. Les murs extérieurs, les murs intérieurs et les voûtes de ce château sont si épais qu'à peine y a-t-il de la place dans l'intérieur pour autre chose. Les escaliers sont étroits, les vestibules petits et les salles peu nombreuses. Pour que les murs aient toute leur solidité, il n'y a qu'un petit nombre de fenêtres aux étages supérieurs. Au rez-de-chaussée, il n'y en a aucune, mais seulement d'étroites lucarnes. Au temps des vieilles guerres, les hommes étaient aussi contents de s'enfermer dans une telle construction solide et imposante qu'ils le sont de nos jours d'endosser une pelisse en plein hiver. Mais quand vint le bon temps de la paix, ils ne voulurent plus vivre dans les salles de pierre sombres et froides du vieux château. Ils ont depuis longtemps abandonné le vaste Glimmingeus pour s'installer en des demeures pénétrables à la lumière et à l'air. Au temps où Niels Holgersson errait çà et là avec les oies sauvages, il n'y avait donc aucun être humain à Glimmingeus, qui toutefois ne manquait pas d'habitants. Sur le toit, un couple de cigognes occupait chaque été un large nid. Dans le grenier vivaient deux chouettes. Dans les couloirs secrets des murs étaient suspendues des chauves-souris. Un vieux chat s'était installé dans l'âtre de la cuisine et dans la cave, il y avait quelques centaines de rats de la vieille espèce noire. Les rats ne sont pas très estimés des autres animaux, mais les rats noirs de Glimmingeus faisaient exception. On en parlait partout avec respect, car ils avaient fait preuve de beaucoup de bravoure dans les luttes avec leurs ennemis et d'une grande force de résistance après les malheurs qui avaient frappé leur peuple. Ils appartenaient à un peuple de rats qui avait été autrefois très nombreux et très puissants, mais qui maintenant se mourait. Pendant de longues années, les rats noirs avaient possédé la Scanie et tout le pays. On les rencontrait dans toutes les caves, dans les greniers, les granges et les aires, les magasins de provisions et les boulangeries, les étables et les écuries, les églises et les châteaux, les moulins et les distilleries, dans tous les bâtiments construits par les hommes. Mais maintenant, ils étaient chassés de partout et presque exterminés. À peine ça et là, en des endroits isolés et déserts, en trouvait-on quelques-uns. À Glimmingeus, ils étaient encore en assez grand nombre. Lorsqu'un peuple d'animaux disparaît, ce sont en général les hommes qui en sont cause, mais tel n'était pas le cas. Les hommes avaient certes fait la guerre aux rats noirs, ils n'avaient pas pu leur nuire beaucoup. Ceux qui les avaient vaincus étaient un peuple de leur propre espèce, les rats gris. Ces rats gris n'étaient point installés dans le pays depuis un temps immémorial comme les rats noirs. Ils descendaient de quelques pauvres colons qui, une centaine d'années plus tôt, avaient débarqué à Malmö d'un navire de Lübeck. C'étaient de pauvres misérables, affamés et sans foyer, qui vivotaient dans le port même, nageant entre les pilotis, sous les ponts, et se nourrissant de détritus qu'on jetait à l'eau. Ils ne se risquaient jamais dans la ville qu'occupaient les rats noirs. Peu à peu, cependant, leur nombre augmentant, ils étaient devenus plus hardis. Pour commencer, ils s'installèrent dans quelques vieilles maisons abandonnées, que les rats noirs avaient délaissées. Ils cherchaient leur nourriture dans les ruisseaux et les balayures et ramassaient tous les débris dont les rats noirs ne voulaient pas. Ils étaient endurants, contents de peu et intrépides. En peu d'années, ils étaient devenus assez nombreux pour chasser les rats noirs de Malmö. Ils leur prenaient, pas à pas, les greniers, les caves et les magasins, en les forçant par la faim à se rendre ou en les tuant car ils ne craignaient pas la lutte. Malmö pris, ils partirent par grands et petits groupes à la conquête du pays entier. Il est difficile de comprendre pourquoi les rats noirs ne se réunirent pas afin d'exterminer dans une grande guerre les rats gris avant qu'ils ne fussent trop nombreux. Probablement, les noirs se sentaient-ils si sûrs de leur domination qu'ils ne pouvaient croire à la possibilité d'en être dépouillés. Ils restaient tranquilles dans leur domaine et pendant ce temps, les rats gris leur enlevaient ferme après ferme, hameau après hameau, ville après ville. Ils durent céder, pas à pas, contraints par la faim, chassés, anéantis. En Scanie, ils n'avaient pu garder qu'une seule place, Glimmingeus.
Le vieux château possédait des murs si sûrs, et un si petit nombre de passages les traversaient, que les rats noirs avaient réussi à en défendre l'accès. D'année en année, de nuit en nuit, la lutte avait duré entre défenseurs et assiégeants. Les rats noirs faisaient bonne garde et se battaient avec le plus grand mépris de la mort. Grâce au vieux château, ils avaient été victorieux. Il faut l'avouer, au temps de leur puissance, les rats noirs avaient été aussi détestés de toutes les autres créatures vivantes que les rats gris l'étaient maintenant, et avec raison. Ils s'étaient attaqués à de pauvres prisonniers enchaînés dans les cachots, ils avaient gloutonnement dévoré des cadavres, ils avaient volé le dernier navet dans la cave du pauvre, mordu les pieds des oies endormies, saccagé les nids de poules en ravissant les œufs et les poussins. Bref, ils avaient commis 1000 méfaits. Mais depuis qu'ils étaient tombés dans l'infortune, tout semblait oublié, et l'on ne pouvait pas ne pas admirer les derniers de la race qui avaient tenu bon si longtemps contre leurs ennemis. Les rats gris, qui habitaient le domaine de Gliminger et le pays environnant, continuaient toujours la guerre, en guettant l'occasion de s'emparer du château. Il semblerait qu'ils eussent pu laisser tranquille dans Glimingeus la petite tribu de rats noirs, maintenant qu'ils possédaient tout le reste du pays. Mais telle n'était point leur idée. Ils disaient que c'était pour eux un point d'honneur de vaincre les rats noirs. Ceux qui les connaissaient savaient bien que c'était simplement parce que les hommes employaient Glimingeus comme magasin de céréales que les rats gris étaient si impatients de s'en emparer. La cigogne. Lundi 28 mars. Un matin de bonne heure, les oies sauvages qui dormaient debout sur la glace du Vomsio furent éveillées par des cris aigus qui venaient du ciel. « Trirope ! Trirope ! » criait-on. « Trianut, la grue, salue Aka, l'oie sauvage et sa bande. » Elle lui fait savoir que c'est demain la grande danse des grues à Kullaberg. Aka tendit tout de suite le cou et répondit « Salut et merci ! Salut et merci !» Les grues poursuivirent leur vol. Mais les oies sauvages les entendirent longtemps encore appeler et annoncer au-dessus des champs et des bois. « Trianut, envoie dire que c'est demain la grande danse des grues à Kullaberg. » Les oies sauvages furent très contentes de ce message. « Tu as de la chance, » dirent-elles au grand jar blanc, « de voir la grande danse des grues. »« Est-ce donc si merveilleux de voir danser les grues ?» demanda-t-il. « C'est quelque chose que tu n'as pu même rêver. » répondirent les oies. Il va falloir réfléchir à ce que nous pourrons faire de pousser demain, pour qu'il ne lui arrive pas malheur, pendant que nous irons à Kullaberg, dit Aka. Pousser ne restera pas seul, répondit le jar. Si les grues ne permettent pas qu'ils voient leur danse, je n'irai pas non plus. Aucun être humain n'a encore assisté à l'assemblée des animaux à Kullaberg, dit Aka, et je n'oserais y amener pousser. Mais nous en reparlerons plus tard. Il faut d'abord songer à avoir quelque chose à manger. Aka donna le signal du départ. Cette fois encore, elle mena paître son monde très loin à cause de Smir le renard. Et les oies ne s'abattirent que dans les prés marécageux au sud de Glimingeus. Nils passa toute la journée assis au bord d'un petit étang, s'amusant à jouer du chalumeau. Il était de mauvaise humeur parce qu'on ne voulait pas l'emmener voir la danse des grues et il n'adressa pas la parole aux jars ni aux autres oies. Il était blessé de ce que Aka n'eut pas confiance en lui. Quand un garçon avait renoncé à devenir un homme pour voyager avec de pauvres oies sauvages, elle devrait bien comprendre qu'il n'avait pas envie de les trahir. Lorsqu'il avait tout sacrifié pour les suivre, leur devoir était de lui montrer autant de choses curieuses que possible. Il faut que je leur dise ce que je pense, grommela-t-il. Mais les heures passèrent sans qu'il pût s'y résoudre. Cela paraîtra peut-être étrange, mais il éprouvait une sorte de respect à l'égard de la vieille oie guide. On ne s'insurgeait pas contre sa volonté. Le pré marécageux où paissaient les oies était bordé d'un côté par un large mur de pierres sèches. Or, le soir, lorsque le gamin leva la tête pour parler à Aka, ses yeux tombèrent sur ce mur. Il poussa un petit cri d'étonnement et toutes les oies levèrent les yeux et se mirent à regarder dans la même direction que lui. Au premier moment, on eût dit que les galets gris dont était construit le mur avaient des pattes et couraient. Mais bientôt,
Ils virent que c'étaient des bandes de rats qui passaient sur la crête. Ils galopaient vite et leurs rangs étaient si serrés et si nombreux qu'ils couvrirent le mur pendant un bon moment. Le gamin avait déjà peur des rats quand il était un grand et fort gaillard. C'était bien pis maintenant. Il était si petit que deux ou trois rats auraient eu raison de lui. Des frissons lui passèrent le long du dos. Chose étrange, les oies semblaient avoir la même horreur des rats. Elles ne leur adressèrent pas la parole, et lorsqu'ils eurent passé, les oies se secouèrent comme si elles avaient de la boue sur leurs plumes. « Que de rats gris dehors !» dit Ixie de Vassijor. « Ce n'est pas bon signe. » Nils crut l'instant favorable pour dire à Aka qu'elle devrait bien le laisser venir avec elle à Kullaberg, mais il en fut empêché par l'arrivée d'un très grand oiseau. À le voir, on eût dit qu'il avait emprunté le corps, le cou et la tête d'une petite oie blanche. Mais en outre, il s'était procuré de grandes ailes noires, de hautes pattes rouges et un bec long, épais, beaucoup trop grand pour sa petite tête. Ce bec pesant faisait pencher sa tête en avant, ce qui lui donnait un air soucieux et mélancolique. Aka arrangea vite les rémiges de ses ailes, salua du cou un grand nombre de fois et s'avança au devant de la cigogne. Elle ne s'étonnait pas trop de la voir déjà en Scanie, car elle savait qu'au printemps, les mâles arrivent de bonne heure. Ils viennent s'assurer que le nid n'a pas trop souffert pendant l'hiver, avant que les femelles ne prennent la peine de traverser la Baltique. Mais elle était surprise que la cigogne vînt au devant d'elle, car les cigognes ne fréquentent, en général, que les gens de leur race. « J'espère que vous n'avez pas trouvé votre nid en mauvais état, monsieur Ermenrich, » dit Aka. Une fois de plus, il apparut qu'on ne ment pas en affirmant qu'une cigogne ne peut ouvrir le bec sans gémir. Celle-ci semblait d'autant plus plaintive qu'elle éprouvait une grande difficulté à articuler les mots. Un bon moment, elle claquota du bec avant de parler d'une voix enrouée et faible. Elle se plaignait de tout. Le nid, situé sur le faîte de Glimmingeus, avait été fort détérioré par les tempêtes de l'hiver. Et de nos jours, il n'y avait plus moyen de rien trouver à manger en Scanie. Les Scaniens s'emparaient de plus en plus de son bien. Ils asséchaient ses prébats et cultivaient ses marécages. Elle comptait abandonner ce pays et ne plus y revenir. Pendant que la cigogne gémissait, Aka, l'oie sauvage, qui nulle part ne trouvait protection ni abri, ne put s'empêcher de songer. « Si j'étais aussi heureuse que vous, monsieur Ermenrich, j'aurais honte de me plaindre. Vous êtes demeuré un oiseau sauvage et libre, et pourtant vous êtes si bien avec les hommes que personne ne vous tirerait un coup de fusil ni ne volerait un œuf de votre nid. » Mais elle garda pour elle-même ses pensées. Elle dit seulement qu'elle ne pouvait croire à l'abandon d'une maison habitée par sa famille depuis sa construction. La cigogne demanda tout à coup si les oies avaient vu les rats gris qui se dirigeaient vers Glimmingeus. Sur la réponse affirmative d'Aka, Monsieur Ermenrich lui raconta l'histoire des braves rats noirs qui pendant tant d'années avaient défendu le château. « Mais cette nuit, Glimmingeus tombera au pouvoir des rats gris, » conclut-il avec un soupir. « Pourquoi cette nuit, monsieur Ermenrich ?» demanda Aka. « Tous les rats noirs sont partis hier soir pour se rendre à Kullaberg, persuadés que tous les autres animaux iraient aussi. Mais vous voyez que les rats gris sont restés à la maison. Maintenant, ils se rassemblent pour pénétrer cette nuit dans le château qui n'est plus défendu que par quelques pauvres vieux incapables d'aller jusqu'à Kullaberg. Les rats gris réussiront. Mais j'ai vécu tant d'années avec les rats noirs qu'il me déplaît de demeurer avec leurs ennemis. » Aka comprit très vite que la cigogne, irritée de la façon d'agir des rats gris, était venue la chercher pour s'épancher avec elle. Mais selon l'habitude des cigognes, elle n'avait sans doute rien fait pour parer au désastre. « Avez-vous envoyé un message au rat noir, monsieur Ermenrich ?» dit Aka. « Non. À quoi bon ? Il n'aurait pas le temps de revenir avant la prise du château. » « Ce n'est pas si sûr, monsieur Ermenrich, » dit Aka. « Je connais une vieille oie sauvage qui ne demande pas mieux que d'empêcher une telle scélératesse. » À ces mots, la cigogne leva la tête et regarda Aka avec de gros yeux. En effet, la vieille Aka n'avait ni griffes, ni bec propre à combattre. En outre, elle était un oiseau de jour. Dès la tombée de la nuit, elle succombait au sommeil, qu'elle le voulût ou non. Or,
Les rats luttaient justement dans l'obscurité. Mais Aka avait résolu d'aider les rats noirs. Elle appela Ixi de Vassijor et lui ordonna de conduire les oies au Vomzio. Aux objections, elle répondit avec autorité. « Je crois qu'il vaut mieux pour nous toutes que vous m'obéissiez. Il faut que je vole jusqu'à la grande maison de pierre là-bas. Et si vous m'accompagnez, il est impossible que les gens de la ferme ne nous voient pas et ne tirent pas sur nous. Le seul que j'emmènerai, c'est Poussé. Il pourra m'être utile, car il a de bons yeux et il peut rester éveillé la nuit. » Le gamin était ce jour-là d'humeur récalcitrante. Entendant les paroles d'Aka, il se redressa pour se faire aussi grand que possible et s'avança, les mains derrière le dos et le nez en l'air, pour dire qu'il ne voulait pas du tout se battre avec des rats. Aka ferait mieux de chercher ailleurs un compagnon. Mais à peine le gamin s'était-il montré, la cigogne avait commencé à s'animer. Jusque-là, elle était restée la tête penchée, le bec appuyé sur son cou selon l'habitude des cigognes. Or, voici que tout à coup, on avait entendu un gargouillis au fond de sa gorge, comme si elle avait ri. Brusquement, elle tendit le bec, saisit le gamin et le lança en l'air à une hauteur de 2 ou 3 mètres. Elle répéta ce tour 7 fois de suite, sans faire attention au hurlement du gamin ni au caquettement des oies qui criaient. « Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Ermenrich ? Ce n'est pas une grenouille, c'est un homme, monsieur Ermenrich !» La cigogne finit par poser le gamin à terre, sain et sauf, puis se tournant vers Aka. « Je retourne à Glimmingeus, ma mère Aka, » fit-elle. « Tous ceux qui y habitent étaient fort inquiets lorsque je les ai quittés. Vous pouvez être persuadés qu'ils se réjouiront d'apprendre que Aka, l'oie sauvage, et Poussé, le marmot, vont venir les sauver. » Sur ces mots, la cigogne allongea le cou, étendit les ailes et s'envola comme une flèche qui part d'un arc très tendu. Aka comprenait très bien que M. Ermenrich se moquait d'elle, mais elle n'en fit rien voir. Elle attendit que le gamin eût eu le temps de ramasser ses sabots, que la cigogne lui avait fait perdre, puis elle le hissa sur son dos et suivit la cigogne. Le gamin, de son côté, ne fit pas de résistance et ne souffla mot de son intention de ne pas venir. Il était si furieux contre la cigogne qu'il reniflait de colère. Cette espèce de long échassier à pattes rouges s'imaginait évidemment que Nils n'était bon à rien, parce qu'il était petit, mais il lui montrerait de quoi Nils Holgersson de Vestravemenhog était capable. Quelques instants plus tard, Aka se posa sur le grand nid de cigogne du toit de Glimmingeus. C'était un nid magnifique. Il reposait sur une roue et se composait de plusieurs couches de rameaux et de touffes d'herbe. Il était si vieux qu'un grand nombre de plantes et de buissons y avaient pris racine. Et lorsque la mère cigogne couvait ses yeux dans l'enfoncement rond du milieu, elle pouvait non seulement jouir de la vue d'une bonne partie de la Scanie, mais elle avait aussi sous les yeux des églantines et des fleurs de joubarbe. Dès le premier coup d'œil, Aka et le gamin se rendirent compte que tout était sans dessus dessous, dans toute la maison. Sur les bords du nid siégeaient 2 chouettes, un vieux chat gris et 12 douzaine de rats décrépits aux dents proéminentes et aux yeux plus rares. Ce ne sont point des animaux qu'on trouve d'habitude en conférence pacifique. Aucun d'eux ne se retourna pour regarder Aka et lui souhaiter la bienvenue. Tout entier à leur occupation, ils suivaient des yeux les longues lignes grises qu'on entrevoyait dans les champs dénudés par l'hiver. Les rats noirs, muets, étaient plongés dans un profond désespoir. Ils se rendaient nettement compte qu'ils ne pouvaient défendre ni leur propre vie, ni le château. Et les 2 chouettes roulaient les yeux ronds, faisaient virer leurs lunettes de plume et parlaient d'une voix sinistre et âpre de la grande cruauté des rats gris. Elles se voyaient forcées de quitter leur nid, car elles avaient entendu dire qu'ils n'épargnaient ni les œufs, ni les oisillons. Le vieux chat tigré était sûr que les rats gris le tueraient, puisqu'ils arrivaient en si grand nombre. Et il ne faisait que chicaner les rats noirs. « Comment avez-vous pu faire la bêtise de laisser partir vos meilleurs guerriers » disait-il. « Comment avez-vous pu avoir confiance dans les rats gris ? C'est impardonnable !» Les 12 rats noirs ne répliquaient pas un mot. Mais la cigogne, malgré son ennui, ne put s'empêcher de taquiner un peu le chat. « N'aie crainte, Matou, » dit-elle. « Ne vois-tu pas que mère Aka et Poussé sont venus sauver le château ? Tu peux être sûr qu'ils réussiront. Maintenant, je vais me mettre à dormir, et je le fais avec la plus entière tranquillité. Demain,
Lorsque nous nous réveillerons, il n'y aura sûrement pas un seul rat gris à Grimgeus. » Le gamin cligna de l'œil vers Akka et lui fit signe qu'il voulait pousser et faire tomber par terre la cigogne lorsqu'elle serait endormie, posée sur une seule patte à l'extrême bord du nid. Mais Akka le retint. Elle n'avait nullement l'air fâchée. « Ce serait malheureux si, à mon âge, on ne savait pas se tirer de pires difficultés que celle-ci. Si seulement le couple des chouettes, qui peuvent se tenir éveillées toute la nuit, veut porter quelques messages de ma part, je pense que tout ira bien. » Les deux chouettes se déclarèrent prêtes à exécuter ses ordres. Akka chargea le mari de rejoindre les rats noirs qui étaient partis et de leur dire de revenir sur le champ. La mère chouette fut envoyée auprès de Flamea, l'effraie, qui habitait la cathédrale de Lund. Elle devait porter un message si secret qu'à peine Akka osait-elle le lui chuchoter à voix basse. Le charmeur de rats. Il était près de minuit lorsqu'enfin les rats gris découvrirent un soupirail laissé ouvert. Il était placé assez haut dans le mur, mais les rats firent la courte échelle et bientôt, le plus hardi d'entre eux se trouva dans l'ouverture, prêt à s'introduire dans le château, sous les murs duquel tant de ses ancêtres étaient tombés. Le rat gris resta un moment immobile dans le soupirail, s'attendant à être attaqué. Le corps principal de l'armée et des défenseurs était certes parti, mais le rat gris supposait que les rats noirs laissés au château ne se rendraient pas sans combat. Le cœur palpitant, il épia les moindres bruits, mais tout demeurait silencieux. Alors, le chef des rats gris s'enhardit et sauta dans la cave obscure. Les autres suivirent leur chef, l'un après l'autre. Ils se glissaient dans le château avec beaucoup de prudence et s'attendaient à des surprises. Ils ne poussèrent plus avant que lorsqu'il n'eut plus de place pour de nouveaux envahisseurs sur le plancher. Bien qu'ils ne fussent jamais entrés dans le château, ils n'eurent aucune difficulté à trouver leur chemin. Ils eurent vite fait de découvrir dans les murs les couloirs par où les rats noirs montaient aux étages supérieurs. Mais avant de s'y engager, ils prêtèrent encore l'oreille. Cette absence des rats noirs les inquiétait, bien plus qu'une lutte ouverte. Ils n'osaient croire à leur bonheur lorsqu'ils se trouvèrent enfin au premier étage. Dès l'entrée, l'odeur du blé amassé en tas vint frapper leurs narines. Mais il n'était pas encore temps de jouir de leur victoire. Ils examinèrent d'abord minutieusement les vastes pièces nues. Ils escaladèrent l'âtre qui occupait le milieu de la large cuisine et faillirent se noyer dans le puits situé dans une des pièces du fond. Ils passèrent en revue chacune des petites lucarnes, mais nulle part ils ne découvrirent de rat noir. Lorsqu'ils se furent rendus maîtres de cet étage, ils commencèrent avec la même prudence à s'emparer du second. De nouveau, ce fut une promenade pénible et dangereuse dans les vieux murs. Ils s'attendaient à chaque instant à être brusquement assaillis. Et bien qu'ils fussent attirés par l'agréable parfum du blé, ils se contraignirent à reconnaître, dans le plus grand ordre, la salle de garde à piliers des soldats d'autrefois, leur table de pierre, le foyer, les profondes niches des fenêtres et le trou du plancher par où, dans l'ancien temps, on précipitait du plomb fondu sur l'ennemi. Les rats noirs étaient toujours invisibles. Les gris se hasardèrent au troisième étage. La grande salle du maître du château était aussi froide et nue que toutes les autres. Ils arrivèrent enfin à l'étage supérieur qui se composait d'une unique et vaste salle vide. Le seul endroit qu'ils ne songèrent point à reconnaître fut le grand nid de cigogne du toit, où juste à ce moment, la dame chouette éveillait Akka et lui annonçait que Flamea l'effraie, avait approuvé sa requête et lui envoyait ce qu'elle désirait. Après avoir consciencieusement parcouru tout le château, les rats gris se sentirent tranquilles. Ils comprenaient que les rats noirs étaient partis, renonçant à leur résister, et se précipitèrent d'un cœur joyeux sur les tas de blé. À peine avaient-ils dévoré quelques grains qu'ils entendirent dans la cour le son aigu d'un fifre. Ils levèrent la tête, écoutèrent avec inquiétude, firent quelques bonds, comme s'ils voulaient abandonner l'état de blé, mais se remirent bientôt à manger. Le fifre retentit de nouveau, aigre et perçant. Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. Un rat, deux rats,
une troupe de rats abandonnèrent le blé et coururent par le plus court chemin à la cave pour sortir de la maison. Pourtant, beaucoup restaient immobiles. Ils pensaient à la peine que leur avait coûté la prise de Glimmingehus et ne voulaient pas l'évacuer. Mais ils entendirent encore les notes du fifre et durent les suivre. Ils se culbutèrent follement, coururent par les étroits couloirs des murs, se bousculant pour sortir plus vite. Au milieu de la cour, un petit bonhomme jouait du fifre. Il avait autour de lui un cercle de rats qui l'écoutaient, surpris et charmés. À chaque minute, d'autres arrivaient. Un instant, il ôta son fifre de sa bouche pour faire un pied de nez au rat. On eût dit alors qu'ils étaient prêts à se jeter sur lui et à le dévorer. Mais dès qu'il se remit à jouer, ils étaient en son pouvoir. Quand le petit bonhomme eut attiré tous les rats gris hors de Glimmingehus, il se mit à marcher lentement sur le chemin et tous le suivirent. Les notes du fifre étaient si douces à leurs oreilles qu'ils ne pouvaient leur résister. Le petit homme les précédant les entraîna du côté de Valby. Il les conduisit par mille méandres à travers haies et fossés. Partout où il allait, il le suivait. Il jouait toujours de son fifre, qui semblait fait d'une corne d'animal, mais si petite qu'aucune bête de nos jours n'en possède de pareille. Personne n'aurait pu dire qui l'avait fabriqué. Flamea, l'effraie, l'avait trouvé dans une niche de la tour de la cathédrale de Lund. Elle l'avait montré à Bataki, le corbeau, et tous deux s'étaient avisés que c'était une de ces cornes dont on se servait autrefois pour se rendre maître des rats et des souris. Le corbeau était l'ami d'Aka, et c'est de lui qu'elle avait appris que Flamea possédait un tel trésor. Et certes, les rats ne pouvaient résister au fifre. Le gamin les précéda en jouant aussi longtemps que dura la lumière des étoiles et ils ne cessèrent pas de le suivre. Il joua à l'aube, il joua au lever du soleil et toujours la foule des rats gris l'accompagnait, entraînée de plus en plus loin des vastes greniers à blé de Glimmingehus. La danse des grues à Kullaberg. Mardi 29 mars. Kullaberg est une montagne basse, longue, nullement grande ni puissante. Son large sommet porte des champs, des bois et quelques petites landes. Ça et là surgissent des renflements couverts de bruyères et de rocs nus. Là-haut, le paysage n'est pas particulièrement beau. Il a l'aspect de la plupart des contrées élevées de Scanie. Quiconque suit le chemin du sommet est un peu déçu. Mais qu'il s'écarte de la piste, s'approche des flancs de montagne et jette un coup d'œil vers les pentes abruptes, il découvrira une foule de choses curieuses et se demandera comment il pourra les examiner toutes. Kullaberg, en effet, ne repose pas comme tant d'autres montagnes sur la terre, entourée de plaines et de vallées. Elle s'est élancée dans la mer, aussi loin qu'elle a pu. Nulle bande de terre ne s'étend à ses pieds et ne la protège contre les vagues. Celles-ci atteignent ces murailles et ont eu le loisir de les former et de les user à leur guise. Aussi, ces murailles se dressent-elles, ouvrées et sculptées par la mer et son auxiliaire le vent. Il y a des précipices taillés dans la falaise et des pics noirs polis sous les coups de fouet incessants du vent. Il y a des colonnes isolées qui surgissent de l'eau et de sombres cavernes aux entrées étroites. Il y a des escarpements verticaux et nus, et de douces pentes envahies par la végétation. Il y a de petits promontoires et de petites baies et de petits galets que les lames roulent dans un perpétuel bruissement. Il y a de superbes portails de pierre qui ouvrent leurs voûtes au-dessus de l'eau. Il y a des récifs pointus que noie à chaque instant une écume blanche et d'autres qui se mirent dans une eau glauque et noir, éternellement tranquille. Il y a des marmites géantes creusées dans le roc, d'énormes crevasses incitent le promeneur à se risquer dans l'intérieur de la montagne jusqu'à la caverne du gnome de Kullen. Des ronces et des plantes rampent, escaladent et dégringolent des falaises, des rocs et des crevasses. Les arbres ont poussé, mais la puissance du vent les a contraints à se transformer en buissons pour pouvoir se retenir au flanc de la montagne. Les chênes s'écrasent sur le sol et des hêtres au tronc bas forment, dans les plis et les trous,
de grandes tentes de verdure. Ces merveilleuses murailles, avec la mer vaste et bleue en bas et l'air piquant scintillant au-dessus, ont rendu Kullaberg si cher aux hommes qu'ils y viennent en foule tout le long de l'été. Il est plus difficile de dire ce qui y attire les animaux, mais ils s'y assemblent tous les ans en une grande réunion de jeux. C'est une coutume qui date de temps immémoriaux. Il aurait fallu être là au moment où la première vague de la mer couvrit d'écume la rive pour expliquer la raison de ce choix. Lorsque l'assemblée va avoir lieu, les cerfs, les chevreuils, les lièvres, les renards et les autres quadrupèdes se mettent en route dans la nuit pour n'être pas vus par les hommes. Un peu avant le lever du soleil, ils se rendent à la place des Jeux, une lande à gauche du chemin, non loin de la pointe extrême de l'île. La place des Jeux est entourée de tous côtés de hauteurs arrondies. On ne la découvre qu'en arrivant tout près. Au mois de mars, il est peu probable que personne s'égare de ce côté. Les étrangers qui, pendant la belle saison, se promènent à travers les collines et escaladent la montagne, ont été chassés par les tempêtes de l'automne. Le gardien du phare du promontoire, la vieille dame qui habite Kullagarde, le fermier de Kullen et ses gens suivent leurs chemins accoutumés et ne rôdent pas dans les landes désertes. Arrivés à la place des Jeux, les quadrupèdes s'installent sur les collines, chaque espèce d'animaux séparément. Bien que, un jour comme celui-ci, la paix générale règne et que personne n'ait rien à craindre. Ce jour-là, un levrault pourrait traverser la colline de renards, sans même risquer de perdre le bout d'une de ses longues oreilles. Pourtant, les animaux se tiennent par groupes, c'est la coutume. Lorsqu'ils ont tous pris leur place, ils commencent à attendre l'arrivée des oiseaux. Il fait presque toujours beau ce jour-là. Les grues sont habiles à prévoir le temps. Elle ne convoquerait pas les animaux s'il était à la pluie. Or, bien que l'air soit limpide et que rien n'arrête le regard, les quadrupèdes ne voient pas venir les oiseaux. C'est étrange, car le soleil est déjà levé et les oiseaux auraient dû être en route. On n'aperçoit que de petits nuages noirs qui passent sur la plaine. Mais voilà, un de ces nuages se dirige vers Kullaberg en suivant à la côte du Sund. Arrivé au-dessus de la place des Jeux, il s'arrête et soudain, le nuage n'a que chant et tri et musique. Il monte et s'abaisse, remonte encore, redescend et ce ne sont que chant et tri et musique. Enfin, tout le nuage s'abat sur une colline, tout le nuage d'un coup et instantanément, la colline disparaît, cachée par des alouettes grises, de beaux pinsons rouges, gris et blancs, des étourneaux tachetés et des mésanges d'un vert jaune. Bientôt, une brume légère passe sur la plaine. Elle ralentit son allure au-dessus de chaque groupe de maisons, au-dessus des chaumières et des châteaux, des hameaux et des villes. Et chaque fois, elle semble aspirer du sol une petite colonne tourbillonnante de grains de poussière grise. Elle grandit, grandit, et lorsqu'enfin elle se dirige vers Kullaberg, ce n'est plus une brume inconsistante, mais un nuage compact, si vaste, que son ombre s'étend sur le sol de Hoganas, à Mol. Lorsqu'il s'arrête au-dessus de la place des Jeux, il cache le soleil. Un bon moment, il pleut des moineaux, avant que ceux qui volaient au centre du nuage ne voient la claire lumière du jour. Mais voilà le plus gros des nuages d'oiseaux qui arrive. Il est formé de bandes d'oiseaux venues de partout. Il est d'un gris bleu lourd, et ne laisse pas percer un seul rayon de soleil. Il vient, sombre et terrifiant comme un nuage d'orage. Il retentit d'un tapage infernal, de cris terribles, des rires les plus moqueurs et des plus sinistres croissements. On est content de le voir se désagréger en une pluie papillonnante et croissante de corneilles et de choucas, de corbeaux et de freux. Ensuite, outre les nuages, apparaissent dans le ciel une foule de figures et de signes. Des lignes droites et pointillées surgissent à l'est et au nord-est. Ce sont des oiseaux des bois venus du Smaland. Les gelinottes et les coqs de bruyère volent en file à 2 ou 3 mètres de distance les uns des autres. Les oiseaux d'eau, qui vivent à l'île Maclapen, devant Falzerbo, remontent le Sund groupés en figures étranges, triangles et longs harpons, crochets obliques et demi-cercles. L'année où Nils voyageait avec les oies sauvages,
Aka et sa bande arrivèrent après tous les autres. Elles avaient eu en effet à traverser la Scanie dans toute sa largeur pour arriver à Kullaberg. En outre, avant de se mettre en route, elles avaient dû chercher le gamin qui, depuis quelques heures, jouait devant les rats gris et les avait entraînés loin de Glimmingehus. Le père chouette était revenu, annonçant que les rats noirs seraient de retour aussitôt après le lever du soleil. Aussi avait-on pu, sans danger, laisser taire le fifre de Flamea. Ce ne fut d'ailleurs pas Aka qui, la première, découvrit Nils cheminant lentement, suivi du long cortège des rats gris. Ce ne fut point Aka qui, tout à coup, descendit comme une flèche, le saisit et remonta dans l'air avec lui. Ce fut Monsieur Hermenrich, la cigogne. Car Monsieur Hermenrich, en personne, s'était mis à la recherche du petit poussé. Après l'avoir déposé dans le nid, il demanda pardon au gamin de l'avoir traité avec dédain la veille au soir. Nils fut bien content. Lui et la cigogne devinrent vite amis. Aka se montra aussi très aimable. Elle frotta sa vieille tête contre son bras et le loua d'avoir secouru ceux qui étaient en peine. Il faut dire à l'honneur du gamin qu'il ne voulut cependant pas accepter plus d'éloges qu'il n'en méritait. « Non, non, mère Aka, dit-il, ne croyez pas que j'ai entraîné au loin les rats gris pour aider les noirs. J'ai seulement voulu montrer à Monsieur Hermenrich que j'étais tout de même bon à quelque chose. » Alors, Aka se tourna vers la cigogne et lui demanda si elle croyait prudent d'emmener Poussé à Kullaberg. « Mais ta vie, dit-elle, que nous pouvons nous fier à lui comme à nous-mêmes. » Monsieur Hermenrich conseilla vivement de l'emmener. « Certainement, mère Aka, il faut faire venir Poussé à Kullaberg, dit-il. Nous devons nous estimer heureux de pouvoir le récompenser des épreuves qu'il a supportées cette nuit pour nous. Et comme je m'en veux encore de m'être mal conduit vis-à-vis de lui hier soir, ce sera moi qui le porterai sur mon dos à la Réunion. » Il est peu de louanges aussi agréables que celles de gens intelligents et capables. Jamais Nils ne s'était senti aussi heureux. Il fit donc le voyage à Califourchon sur le cou de Monsieur Hermenrich, la cigogne. Bien que ce fût pour lui un grand honneur, il n'en fut pas moins assez inquiet par moments, car Monsieur Hermenrich était un maître dans l'art du vol et allait autrement vite que les oies sauvages. Tandis que Aka volait son chemin tout droit, à coups d'ailes égaux, Monsieur Hermenrich s'amusait à des tours d'adresse. Tantôt, il restait immobile à une hauteur vertigineuse, planant dans l'air sans remuer les ailes. Tantôt, il se précipitait en bas, si vite qu'il semblait, tel une pierre, devoir s'abîmer sur le sol. Ou encore, il s'amusait à tourner autour d'Aka, en cercle, de plus en plus étroit, comme un tourbillon. Le gamin n'avait jamais rien vu de pareil, et tout en éprouvant une peur constante, il dut s'avouer qu'il n'avait pas su jusqu'ici ce que c'était qu'un beau vol. On ne fit qu'un arrêt en route, au Vomsio, où l'on rejoignit la bande d'Aka. Puis, on vola droit sur Kullaberg. On descendit sur le sommet de la colline réservée aux oies sauvages. En promenant ses regards sur les hauteurs environnantes, le gamin reconnut sur l'une les bois aux nombreux andouillés des cerfs, sur une autre, les huppes grises des hérons. Une colline était rouge de renards, une autre, noire et blanche d'oiseaux marins, une autre encore, grise de souris et de rats. Une colline était occupée par des corbeaux noirs qui ne cessaient de croisser, une autre, par des alouettes incapables de rester en place. À chaque instant, elle s'élançait dans l'air en chantant d'allégresse. L'usage voulait que les corneilles commençassent les jeux et les exercices du jour par une danse aérienne. Elles se divisèrent en deux groupes que l'on vit voler l'un vers l'autre, se rencontrer, se séparer et puis recommencer. Cette danse comprenait plusieurs reprises. Aux spectateurs qui n'étaient pas au courant des règles, elle parut un peu monotone. Les corneilles en étaient très fières, mais les autres animaux furent contents lorsque cela fut fini. Cette danse leur semblait aussi morne et dénuée de sens que le jeu des tempêtes d'hiver avec les flocons de neige. Elle attrista tout le monde. On attendait impatiemment quelque chose de plus gai. On n'attendit pas longtemps. À peine les corneilles avaient-elles fini que les lièvres se précipitaient. Ils s'élancèrent en une longue file, sans beaucoup d'ordre, tantôt isolés, tantôt trois ou quatre de front. Tous se dressaient sur leurs pattes de derrière,
Puis, ils couraient si vite que leurs longues oreilles tournoyaient de tous côtés. Sans cesser de courir, ils tourbillonnaient sur eux-mêmes, bondissaient et se frappaient de leurs pattes de devant la poitrine pour la faire résonner. Quelques-uns firent des séries de culbutes, d'autres se plièrent en deux et roulèrent comme des roues. On en voyait qui se tenaient sur une patte et tournaient en rond, d'autres marchaient sur leurs pattes de devant. Tout cela sans ordre, mais il y avait beaucoup de gaieté dans la danse des lièvres, et les animaux qui les regardaient commencèrent à respirer plus vite. C'était le printemps. La joie et les plaisirs allaient revenir. L'hiver était fini, l'été approchait. Bientôt, ce ne serait qu'un jeu de vivre. Lorsque les lièvres eurent fini leurs ébats, ce fut aux grands oiseaux des bois de montrer leur adresse. Une centaine de coqs de bruyère à la robe noire miroitante et aux sourcils écarlates se posèrent sur un grand chêne au milieu de la place. Celui qui s'était posé sur la branche supérieure hérissa ses plumes, abaissa ses ailes et déploya sa queue en éventail, de façon à laisser voir ses tectrices blanches. Puis il tendit le cou et lança quelques notes profondes de sa gorge gonflée. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est tout ce qu'il put articuler. Puis on n'entendit que quelques sons rauques arrachés du fond du gosier. Il ferma les yeux et chuchota. Six, six, six. Écoute comme c'est beau. Six, six, six. Et il fut saisi d'un tel ravissement qu'il perdit toute notion de ce qui se passait autour de lui. Pendant que le premier coq de bruyère était encore en train de siffler, les trois coqs posés au-dessous de lui se mirent à chanter. Et avant qu'ils n'eussent terminé leur chanson, les 10 qui se trouvaient sur les branches au-dessous commencèrent à leur tour, et ainsi de suite, de branche en branche. Et enfin, les 100 coqs de bruyère chantaient, gloussaient et sifflaient. Ils étaient tous saisis du même ravissement, et cela agit sur les autres animaux comme une ivresse contagieuse. Le sang, qui tout à l'heure avait couru joyeux et léger, était maintenant lourd et brûlant. En vérité, c'est le printemps, se disaient les animaux. Le froid de l'hiver s'est évanoui, le feu du renouveau brûle sur la terre. Lorsque les jolies notes virent le succès des coqs de bruyère, elles ne purent rester tranquilles. Comme il n'y avait pas d'arbre où elles pussent s'installer, elles s'élancèrent vers le champ des jeux où la bruyère se dressait si haute que seules les plumes gracieusement recourbées de leur queue et leur gros bec apparaissaient. Et elles commencèrent à chanter. Or, or, or. Au moment où les gélinottes entraient en lutte avec les coqs de bruyère, quelque chose d'inouï se passa. Un renard profita du moment où l'attention de tous les animaux était fixée sur le jeu des coqs de bruyère pour se glisser vers la colline des oies sauvages. Il rampa très prudemment et était déjà presque au sommet lorsqu'une oie l'aperçut. Comme elle pensait bien qu'un renard ne s'était pas glissé parmi elle dans une bonne intention, elle se mit à crier « Gare, oie sauvage, gare !» Le renard se jeta sur elle et la mordit au cou, peut-être surtout pour la forcer à se taire, mais les autres oies avaient déjà entendu le cri et s'élevèrent rapidement en l'air. Les autres animaux virent alors sur la colline désertée par les oies Smir le renard, une oie morte dans la gueule. Il avait rompu la trêve du jour des jeux. Il fut condamné à une punition si sévère que toute sa vie, il allait regretter de n'avoir pas su maîtriser son désir de se venger d'Aka et de sa bande. Une foule de renards l'entourèrent rapidement et le condamnèrent, selon la vieille coutume, à l'exil. Aucun des renards n'essaya d'atténuer sa peine, car ils savaient tous qu'en ce cas, ils seraient à jamais chassés de la place des jeux et qu'on ne leur permettrait jamais d'y revenir. En conséquence, l'exil fut unanimement prononcé contre Smir le renard. Défense lui était faite de séjourner en Scanie. Il était forcé de quitter sa femme et ses parents, les districts de chasse, demeure, refuge et cache qu'il avait possédé, pour chercher fortune ailleurs. Et pour que tous les renards sussent que Smir était proscrit, le doyen des renards lui mordit la pointe de l'oreille droite. Tout de suite, les jeunes renards commencèrent à glapir, assoiffés de sang, et se jetèrent sur Smir. Il ne lui resta qu'à prendre la fuite, et poursuivi par toute une bande de jeunes renards, il détala sur les pentes du mont Kullaberg. Pendant ce temps, les gelinottes et les coqs de bruyère jouaient leur jeu.
Mais ces oiseaux s'absorbent tellement dans leur chant qu'ils ne voient ni n'entendent rien. Leur concours était à peine achevé que les cerfs de Hackeberga avancèrent à leur tour. Plusieurs couples de grands cerfs luttaient à la fois. Ils se jetaient l'un contre l'autre avec une grande force, entrechoquaient avec éclat leurs bois dont les andouillers s'enchevêtraient et essayaient ainsi de se faire reculer l'un l'autre. Ils déchiraient de leurs sabots les tertres de bruyère, leur haleine formait comme une fumée autour d'eux, des cris rauques sortaient de leur gorge et l'écume coulait le long de leurs épaules. Tout autour, sur les collines, régnait un silence haletant. Les animaux étaient remués de sentiments nouveaux. Tous se sentaient courageux et forts, animés d'une vigueur renaissante, ravivés par le printemps, alertes et prêts à toutes les aventures. Ils n'éprouvaient point de colère les uns envers les autres. Néanmoins, les ailes et les plumes des coups se redressaient, les griffes s'aiguisaient. Si les cerfs avaient continué encore longtemps, la lutte aurait éclaté partout sur les collines. Car tous étaient saisis du désir de montrer qu'ils étaient pleins de vie, que l'impuissance de l'hiver était vaincue, que la force bouillonnait dans leur corps. Mais les cerfs cessèrent leur combat, et un murmure se propagea de colline en colline. Les grues arrivent. Ils arrivaient en effet, les oiseaux gris, vêtus de crépuscule, aux ailes ornées de longues plumes flottantes, une aigrette rouge sur la nuque. Les grands oiseaux aux longues pattes, aux fins cous déliés, aux petites têtes, descendirent la pente comme en glissant, et saisis d'un vertige mystérieux. Tout en glissant en avant, ils tournaient sur eux-mêmes, moitié volant, moitié dansant. Les ailes et ligaments relevés, ils se mouvaient avec une rapidité incompréhensible. Leur danse avait quelque chose de singulier et d'étrange. On eût dit des ombres grises, jouant un jeu que l'œil suivait difficilement. Et ce jeu, il semblait qu'elle l'eût appris des brouillards qui flottent sur les marécages déserts. Cela tenait du sortilège. Tous ceux qui venaient pour la première fois au mont Kullaberg comprirent enfin pourquoi la réunion était appelée la danse des grues. Il y avait de la sauvagerie dans cette danse. Mais le sentiment qu'elle éveillait dans le spectateur n'en était pas moins une douce langueur. Personne ne songeait plus à lutter, mais tous, ceux qui avaient des ailes et ceux qui n'en avaient pas, aspiraient à s'élever au-dessus des nuages, à chercher ce qu'il y avait derrière, à abandonner le corps pesant qui les entraînait vers la terre, à s'envoler vers le ciel. Cette nostalgie de l'inaccessible, de ce qui est caché au-delà de la vie, les animaux ne la ressentent qu'une fois par an, et c'est en voyant la grande danse des grues. Chapitre 6. Temps de pluie. Mercredi 30 mars. C'était le premier jour de pluie du voyage. Tant que les oies étaient restées dans les environs du Vomsio, il avait fait beau. Mais le jour où elles se mirent en route vers le nord, il commença à pleuvoir. Pendant plusieurs heures, le gamin dut rester sur le dos du jar, trempé et grelottant. Le matin, quand on était parti, le ciel était clair et calme. Les oies avaient volé très haut, régulièrement, sans hâte et strictement en ordre, Aka en tête, les autres sur deux rangs, en triangle. Elles n'avaient pas pris le temps de crier des méchancetés aux bêtes de la terre, mais comme elles étaient incapables de rester tout à fait silencieuses, elles lançaient continuellement, au rythme de leurs battements d'ailes, leurs cris d'appel. « Où es-tu ? Me voici ! Où es-tu ? Me voici !» Le voyage était monotone. Quand les nuages apparurent, Nils pensa que c'était une vraie distraction. Dès que les premières ondées printanières claquèrent contre le sol, tous les petits oiseaux poussèrent des cris de joie dans les bosquets et les taillis. L'air retentissait de leurs piaillements et Nils tressaillit. Voilà la pluie donne le printemps donne les fleurs et les feuilles vertes. Les fleurs et les feuilles vertes donnent larves et insectes. Larves et insectes nous donnent nourriture, nourriture bonne et abondante. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde, chantaient les oiseaux. Les oies sauvages aussi se réjouissaient de la pluie, qui allait éveiller les plantes et creusait des trous dans la glace des lacs. Elles ne purent demeurer taciturnes et commencèrent à lancer des plaisanteries sur la contrée. Quand elles passèrent au-dessus des grands champs de pommes de terre, si nombreux,
dans la région de Christianstad et qui étaient encore dénudées et noires, elles crièrent « Éveillez-vous et soyez utiles! Voici venir qui vous éveille! Vous avez paraissé assez longtemps !» Apercevant des hommes qui, en hâte, se mettaient à l'abri de la pluie, elles les interpellèrent. « Pourquoi vous pressez? Ne voyez-vous pas qu'il pleut des pains et des gâteaux? Des pains et des gâteaux ?» Un grand et épais nuage se dirigeait avec rapidité vers le nord et suivait de près les oies. Elles paraissaient s'imaginer qu'elles l'entraînaient avec elles. Et comme elles apercevaient de vastes jardins, elles crièrent fièrement. Nous apportons des anémones, nous apportons des roses, nous apportons des fleurs de pommier et des boutons de cerisier. Nous apportons des pois et des haricots, des raves et des choux. En prenne qui veut, en prenne qui veut. Tels avaient été leurs cris pendant les premières ondées, tandis que tout le monde se réjouissait de la pluie. Mais comme il continua à pleuvoir tout l'après-midi, les oies s'impatientèrent et crièrent aux bois altérés autour du lac Ivozio. N'en aurez-vous pas bientôt assez? N'en aurez-vous pas bientôt assez? Le ciel devenait de plus en plus sombre et le soleil se cachait si bien que nul n'aurait pu deviner où il était. La pluie tombait dru, martelait lourdement les ailes et se glissait entre les plumes extérieures bien huilées jusqu'au corps. La terre était cachée par une brume de pluie. Lacs, montagnes et forêts se confondaient dans un informe chaos. On ne distinguait plus les points de repère. Le vol se ralentissait, les cris joyeux se turent, Nils sentait de plus en plus le froid. Pourtant, il avait gardé tout son courage tant qu'il avait chevauché à travers les airs. Le soir, quand ils eurent atterri sous un petit pin rabougri, au milieu d'un grand marais, où tout était humide et froid, où quelques touffes d'herbe étaient couvertes de neige, où d'autres surgissaient nus d'une cuvette d'eau glacée à peine liquide, il n'était point encore découragé. Il courut çà et là joyeusement, à la recherche de bêtes canneberges et d'airelles gelées. Mais le soir vint, l'ombre s'abattit, si épaisse, que même les yeux de Nils ne pouvaient la percer. Le désert devint étrangement sinistre et effrayant. Nils s'était blotti sous l'aile du jar, mais ne pouvait pas dormir parce qu'il était mouillé et avait froid. Il entendit tant de froissements et de frôlements, de pas glissants et de voix menaçantes. Il ressentit une telle épouvante qu'il ne savait où se réfugier. Il fallait qu'il allât, où brillaient feu et lumière, pour ne pas mourir de frayeur. Si j'osais aller chez les hommes, pour cette seule nuit, pensait-il. Seulement pour m'asseoir un instant auprès du feu et manger un morceau, je pourrais bien être de retour auprès des oies avant le lever du soleil. Il se dégagea de l'aile et glissa sur le sol. Il n'éveilla ni le jar, ni personne, et se faufila en silence hors du marécage. Il ignorait absolument où il se trouvait, s'il était en Scanie, en Smalande ou en Blekinge. Au moment de sortir du marécage, il aperçut un gros bourg vers lequel il dirigea ses pas. Bientôt, il trouva un chemin et arriva à une longue rue plantée d'arbres et bordée de maisons serrées les unes contre les autres. Les maisons étaient de bois et construites avec élégance. La plupart avaient des pignons et des frontons bordés de linteaux sculptés et des vérandas à verre de couleur. Les murs étaient peints à l'huile en couleur claire, les cadres des portes et des fenêtres étaient bleus et verts, ou encore rouge. Tout en marchant et en considérant les maisons, Nils entendait de la rue les gens bavarder et rire dans les maisons bien chaudes. Il ne distinguait pas les paroles, mais pensa qu'il était bon d'entendre des voix humaines. « Je me demande ce qu'il dirait si je frappais et priais qu'on me laissât entrer. » C'était bien ce qu'il avait eu l'intention de faire, mais la frayeur des ténèbres s'était dissipée depuis qu'il voyait des fenêtres éclairées. Il éprouvait maintenant cette timidité qui lui venait toujours dans le voisinage des hommes et se contenta de murmurer. « Je vais encore me promener un peu dans le village avant de demander à entrer chez quelqu'un. » Une maison avait un balcon. Comme Nils passait, la porte du balcon s'ouvrit et un flot de lumière jaune passa à travers les fins et légers rideaux. Une belle jeune femme apparut et se pencha au-dessus de la balustrade. « Il pleut ! Nous aurons bientôt le printemps !»
dit-elle. Quand Nils l'aperçut, il éprouva une étrange angoisse. Il crut qu'il allait pleurer. Pour la première fois, il s'affligeait de s'être retranché de l'humanité. Il passa ensuite devant une boutique. Il y avait devant la porte une semeuse mécanique rouge. Il s'arrêta à la regarder, grimpa sur le siège du cocher et s'y assit. Installé là, il fit claquer ses lèvres et fit semblant de conduire. Il pensa qu'il serait amusant de conduire une si belle machine dans un champ de blé. Il avait un instant oublié sa condition présente, mais bientôt, il s'en ressouvint. Alors il sauta brusquement à terre. Il était de plus en plus inquiet. À combien de choses ne devait pas renoncer celui qui vivait toujours parmi les animaux? Les hommes étaient vraiment étonnants et habiles. Il passa devant la poste et pensa à tous les journaux qui apportent quotidiennement des nouvelles des quatre coins du monde. Il vit la maison du pharmacien, celle du docteur, et pensa que les hommes étaient assez puissants pour lutter contre la maladie et la mort. Il arriva à l'église et se dit que les hommes l'avaient élevé pour y entendre parler d'un autre monde, de Dieu, de résurrection et de vie éternelle. Plus il allait, plus il aimait les hommes. Il eut peur de ne plus jamais pouvoir recouvrer sa première forme. Comment faire pour redevenir homme? Il escalada un perron, s'assit sous les torrents de pluie et réfléchit. Il demeura là une heure, deux heures, si absorbé que des rides plissaient son front. Tout à coup, il vit un gros hibou venir se poser sur un arbre de la rue. Une chouette cachée sous une gouttière s'agita et cria « Qui vite, qui vite ! Te revoilà, hibou ! T'es-tu trouvé bien à l'étranger ?»« Merci, chouette, très bien. Est-il arrivé quelque chose ici pendant mon absence ?»« Pas ici, en Blekinger, hibou, mais en Scanie. Il est arrivé qu'un gamin a été métamorphosé par un tompte et rendu aussi petit qu'un écureuil. Après quoi, il est parti pour la Laponie avec une oie domestique. Une étrange nouvelle. Pourra-t-il jamais redevenir homme, chouette? Pourra-t-il jamais redevenir homme? C'est un secret, hibou, mais il te sera cependant révélé. Le tompte a déclaré que si le gamin veille sur le jar et le ramène sain et sauf à la maison, et... Quoi, chouette, quoi, quoi? Vole avec moi jusqu'au clocher, hibou, et je te dirai tout. J'ai peur que quelqu'un ne nous entende ici dans la rue. Les oiseaux de nuit s'envolèrent. Nils lança sa casquette en l'air. Si je veille sur le jar et le ramène sain et sauf, je redeviendrai homme. Hurrah! Hurrah! Je redeviendrai homme! Il est étrange que l'on n'ait pas entendu dans les maisons, tant il criait fort. Il courut à toutes jambes rejoindre les oies sauvages dans le marais humide. Bienvenue sur le nouveau vlog lecture sur le merveilleux voyage. On va rester sur un titre court parce qu'il est long. On a lu trois chapitres, chapitre 4, le 5 et le 6. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chapitres sont assez souvent divisés en plusieurs parties, plusieurs épisodes en fait au sein d'un même chapitre. Et donc, on a voyagé un petit peu. Alors, je retourne dans mon petit doc. Il y avait le château de Glemmingehus avec les rats noirs et les rats gris. La rencontre de la cigogne et Nils qui s'est transformé en charmeur de rats. Ce qui ressemble un peu au... Il y a un conte avec un joueur de flûte, le joueur de flûte de Hamelin, il me semble. Qui a fait noyer des rats ou des lemmings, je sais plus de quelle origine est ce conte là, est-ce que c'est pas plutôt en Allemagne ou un truc comme ça, je vais regarder. Alors, le joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande transcrite notamment par les frères Grimm et connue sous le titre original, je vous dirai pas en allemand, l'attrapeur de rats de Hamelin. Elle évoque un désastre censé être survenu le 26 juin 1284
dans la ville de Hamelin, à Mölln, en Allemagne. Donc la ville de Hamelin est envahie par les rats, les habitants meurent de faim. Un joueur de flûte inconnu arrive dans la ville et se présente comme un dératiseur. Le maire de Hamelin promet au joueur de flûte une prime de 1000 écus pour débarrasser la commune des rats qui l'infestent. L'homme prend sa flûte et par sa musique attire les rats qui le suivent jusqu'à la Weser, la rivière qui arrose la ville où il se noie. Bien que la ville soit ainsi libérée des rongeurs, les habitants reviennent sur leurs promesses et refusent de payer le joueur de flûte, le chassant à coups de pierre. C'est pas gentil. Oh mon Dieu! Il quitte le pays, mais revient quelques semaines plus tard. Lors d'une nuit paisible, il joue de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants de Hamelin. 130 garçons et filles le suivent hors de la ville jusqu'à une grotte qui se referme derrière eux. Selon certaines versions, le joueur de flûte emmène les enfants de Hamelin eux aussi à la rivière ou au sommet d'une montagne. Les parents, eux, ne les reverront jamais. Je ne sais pas si c'était à l'époque des épidémies de peste, ça me dit vaguement quelque chose, mais je me demande si c'est pas plus tardif. Je vous mettrai le lien vers la page wiki sur le joueur de flûte de Hamelin. C'est un petit peu glauque, hein. Je ne l'ai pas lu encore ce conte dans les recueils de Grimm parce que j'y suis pas. Mais c'est vrai que c'est assez glauque. Et puis moi, je connaissais la version où il noie les enfants aussi pour se venger. Et oui, donc ça faisait vraiment penser à ça. Et il y avait vraiment tout un vocabulaire martial autour de la guerre entre les rats noirs et les rats gris. Je trouvais ça assez sympa. Donc on a voyagé un petit peu, il y avait une description du château, etc. Donc je pense que c'était vraiment le château médiéval qui était abandonné depuis quelques années. Alors la grande danse des grues à Kullaberg, je l'ai trouvé vraiment sympa. Comme si la danse des grues en fait lançait le printemps, qu'il y avait toute une réunion d'animaux. Il y avait un espèce de cessez-le-feu entre guillemets parce qu'il n'y avait aucune prédation pendant ce temps-là. Qu'il y a plein d'animaux qui montrent leur talent pour voler, pour courir, pour faire des cabrioles, etc. C'était vraiment trop mignon. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut venir de quelque chose aussi, parce qu'apparemment la légende du joueur de flûte de Hamelin, il y a une date précise. Et plusieurs théories qui disent que du coup il y a un paquet d'enfants qui est mort, mais la grande danse des grues à Kullaberg, à mon avis il y a juste les grues qui vont à cet endroit là pour faire leur parade, etc. Parce que c'est très joli, hein. Si je trouve, si j'y pense, bah comme je le dis, je me le note, parce que bref, je vous mettrai une petite vidéo vers une danse des grues, parce que c'est vraiment joli, c'est super aérien, forcément. Et ouais, c'est vraiment très sympa. On a des grues aussi parfois sur le lac de Grandlieu à côté de chez moi. Et je trouvais ça très mignon aussi, le côté de temps de pluie, où Nils, qui au final a été son état, le fait d'être un tompte, c'est une punition pour avoir embêté un autre tompte. Et le fait qu'ils se disent je suis quand même qu'avec des animaux, je ne suis plus un homme, que ça le rende nostalgique, je trouve ça mignon. Enfin mignon parce que c'est un gamin qui grandit, qui évolue. Je trouve qu'il a évolué très vite, hein, déjà au début. Même si on voit encore qu'il est un peu, il peut être chonchon parce que la cigogne s'est moquée de lui, par exemple, ou il a peur, ou bah là il a froid, il aimerait avoir de la lumière et compagnie. Et les animaux n'ont pas besoin de lumière, puis ils ont déjà de la compagnie. Donc je trouve ça, je le trouve touchant, ce gamin. J'aime bien. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il est tard, je suis fatiguée. Mais je trouve que c'est agréable à lire. Il y a un côté naturaliste aussi dans la description des animaux, la description des paysages, de la flore et compagnie. J'ai pas forcément la sensation de, entre guillemets, subir un cours de géo sur la Suède, qui est un pays que je ne connais pas du tout. Mais c'est agréable à lire, je trouve que c'est par rapport à la commande de la société
prof de géo, je ne sais plus exactement, d'écrire un roman qui enseignerait la géographie à des enfants, je trouve franchement que le job est fait. Parce qu'elle décrit des régions, des paysages, des points, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai plus mes mots, là, il est tard. Des points un peu mémorables dans ces paysages-là. Et la faune, la flore, l'architecture, des villages. Donc c'est intéressant. Tout en continuant à raconter l'histoire de Nils. Et les contes, j'aime bien, franchement c'est sympa à lire, je suis pas déçue. Je m'arrête là, parce que je suis fatiguée, je vais me coucher. J'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous connaissez des contes qui sont bien sombres comme il faut, là, parce que le conte du joueur de flûte de Hamelin, allez jeter un œil à la page Wikipédia. Je vous le lirai quand je serai arrivée là pour les frères Grimm. Mais il est quand même bien glauque, lui. Hein. Il y a quand même un côté bien glauque dans certains contes. Autour de la mort, de la maladie, des trucs comme ça. Et je pense qu'après ce bouquin, je pense qu'après Nils, je lirai du Perrault un peu. A tout bientôt, rêvez tout grand, passez un très bon samedi. Et mettez bien vous à l'abri de la pluie. Mais je trouve que là, on sent le printemps arriver, on a des odeurs de fleurs, de végétation, et l'odeur aussi de la terre après la pluie, ça j'adore. Donc là, le printemps arrive. Vous avez entendu, les oies l'ont dit. Allez, à tout bientôt et à demain pour ceux qui écoutent Orgueil et Préjugés. Salut !